À nouveau un accord de coopération pour 2014-2016, pour 3 ans. Ça fera 15 ans, 3 nouvelles années. Donc on met l'accent maintenant sur deux dimensions, le développement territorial et en particulier ici le monde rural, parce qu'il y a beaucoup de potentialités, et la recherche, l'université, l'enseignement supérieur. Donc à la fois la formation des cadres, la formation de la jeunesse, et puis le maintien du territoire dans le cadre du schéma régional d'aménagement du territoire qui a été délibéré par Saint-Louis. C'est ce que nous avons principalement retenu, et utiliser les ressources locales, développer les circuits courts, développer les modes de production. Voilà, je crois qu'il peut permettre d'avoir une bonne coopération à nouveau.